chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Taizi. Fang Zhou, tu es prêt? Oui, allons-y. Avant de commencer le nouveau cours, révisons les mouvements de la dernière séance. Se retourner pour pourfendre. Les nuages blancs couvrent le sommet. Le tigre noir parcourt la montagne 2. Caché sur les feuilles 2. Regarde l'enchaînement des mouvements. Durant cette séance, nous allons poursuivre l'apprentissage des mouvements de la deuxième partie de la forme. À présent, étudions le dragon jaune Romulo. Décrivez une courbe avec la main droite vers la droite. Faites un cercle de sabre avec le poignet. Avancez et piquez. Bien, regarde-moi faire une fois. Bien. Lors du piquage, le cercle de sabre avec le poignet doit être régulier. Puis on ramène le sabre à la taille, on avance et on pique. Refais une fois, s'il te plaît. Le cheval sauvage franchit le ravin. Décrivez un cercle avec le poignet droit devant, ramenez devant la poitrine, avancez le pied gauche, levez la jambe droite, sautez, avancez, la force arrivant à la pointe, piquez devant. Ok, regarde-moi faire une fois. Et on pique. La force doit être bien transmise jusqu'à la pointe. Bien, on refait une fois ensemble. C'est parti. Le cheval sauvage franchit le ravin. Maintenant, voyons braver le vent et couper les herbes. Sabre dans la main droite, ramenez le devant en position du cavalier. Dans la continuité, amenez-le à gauche, horizontalement, balayez, regardez l'angle arrière droit. Bien, regarde-moi faire une fois. En direction de la pointe. Bien, on refait une fois ensemble. C'est parti.
les armes. Le regard est porté dans le prolongement de la pointe du sabre. On refait une fois tous les mouvements de manière enchaînée. Cette séance. Le dragon jaune remue l'eau. Le mouvement de cercle de sabre avec le poignet doit être ligné, rond et souple. La position unipodale doit être stable. Le cheval sauvage franchit le ravin. Le mouvement de saut doit être souple et rapide. Le pas avec le piquage doit amener la force de manière fluide au niveau de la pointe du sabre. Braver le vent et couper les herbes. Le pas croisé et le balayage de sabre doivent être coordonnés. Les mouvements de sabre doivent rester souples et la force doit atteindre la lame. Ces points difficiles, nous allons refaire tous ces mouvements. Dragon jaune remue l'eau. Le cheval sauvage franchit le ravin. Voici les mouvements de la deuxième partie de la forme. Comment le sabre s'est-il développé ? Le sabre fait partie des armes courtes du Wushu. Il vient des armes militaires de l'Antiquité. Durant l'ère primitive, il y avait déjà le sabre en pierre, le sabre en or. Durant la dynastie des Shang, apparut le sabre en bronze vert, spécialement fait pour la guerre. Après les royaumes combattants, les combats se faisant beaucoup à cheval, le sabre est devenu l'un des équipements principaux de l'armée, et également la principale arme d'autodéfense. À l'époque moderne, le sabre est progressivement devenu un moyen de faire de l'exercice, du wushu, ou encore un objet de collection. Démonstration
Regardons ensemble la forme entière de sabre du Traitier. Joe, récemment, tu as encore bien progressé. Merci, professeur Wang. Pratiquez bien de votre côté. Notre séance s'achève. On se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. Au prochain cours, on va étudier les derniers mouvements de la deuxième partie de la forme. Continuez bien à nous suivre.